Eh bien bonjour à tous, c'est Antoine, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Prison Architect. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui, on va essayer de finir, d'en finir avec ce virus qui se propage. Mais bon, il s'est quand même il a quand même bien disparu, hein, faut le dire. C'est pour ça que je n'accueille pas de prisonniers. Par contre, c'est pas parce que l'on n'accueille pas de prisonniers que l'on doit s'empêcher, évidemment, de faire des cellules supplémentaires, ce que l'on va donc faire de suite. Hop, comme ceci. Comme ça. Il y a 2-3 petites bastons, je sais pas pourquoi. On va bien voir ça après. Hop, et comme ceci. Voilà, là on est pas mal. Pourquoi ça se bastonne? Pourquoi ils ne sont pas contents? Pourquoi ils ne sont pas contents? On va regarder ça, c'est la nourriture, c'est la bouffe qui leur manque. Pourquoi il leur manque de la bouffe? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il est... Ah mais c'est vrai qu'on n'avait pas mis de bouffe le matin aussi. Ah c'est ça, il n'y a pas de bouffe le matin. Et ben on va faire ça alors. On va faire repas. Voilà. Pas mal du tout. Ce sera, voilà, c'est vraiment le problème, je pense. Ok. Donc dans cette cuisine, j'ai l'impression que ça commence à devenir un peu tendu de faire de la bouffe pour autant de gens. Alors, rajouter un petit cuisinier. Bon, ils s'en sortent, hein, y a pas de raison. Ils font pas avec grand chose, mais ils s'en sortent au moins. Donc oui, on a plus que 2 prisonniers contaminés, donc ça c'est la bonne nouvelle. Peut-être la fin de l'épidémie dans cet épisode. Je l'espère grandement que l'on puisse en accueillir de nouveau quand même. Parce que maintenant on a de la place, on a beaucoup de place, donc... on va pouvoir en profiter enfin. Alors, ça c'est pas une bonne idée. Alors attendez, je vais juste faire ça. Non... Ah, c'est ça, je veux pas le prendre. Voilà, on va faire ça. Après, voilà, je vais reprendre ça. Ça ira très bien. Ceci. Mince. Les douches. Là, faut qu'on trouve un truc, du coup. Faut qu'on trouve un truc, parce que moi, j'aime bien là, l'idée de quand même de mettre des petites... des petites salles en bout là. Bon, en l'occurrence, cette infirmerie ne nous aura pas vraiment servi. C'était un test hein, plutôt. Mais écoutez, on va la laisser. Hein, c'est pas pour autant qu'on va l'enlever. De quoi on pourrait avoir besoin? C'est une excellente question. Une buanderie. Est-ce que notre buanderie est suffisante? On va regarder un petit peu dans les besoins. Besoin de vêtements, c'est largement suffisant. Tout va bien. Elle est où notre buanderie déjà? Elle est là. Elle est là et ça travaille dur, donc c'est bien. C'est très très bien. Par contre, ce que je pourrais faire dans ma buanderie, c'est rajouter des paniers, je pense. Voilà. Parce que les paniers, ça se barre vite. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors oui, vous avez été certain à me conseiller un dortoir. Sauf que j'ai essayé dans mon autre partie, et je vous avoue que les dortoirs, c'est pas forcément une bonne solution. Voilà, je trouve. J'apprécie pas trop la chose. Si jamais vous en voulez absolument, peut-être que j'en mettrai. Mais voilà, si je peux éviter d'en mettre, ça m'arrange. Ça m'arrange parce que bon, c'est pas vraiment quelque chose qui, voilà, que j'adore. Est-ce qu'on a encore des malades là? Un seul! On n'a plus qu'un. En plus, la quantité des repas, elle est sur faible, là. C'est pour ça aussi. C'est pour ça qu'ils ont faim. Bah, à la limite, je pourrais presque la laisser sur faible.
Ça me fait gagner des sous. C'est tout aussi bien. Hop, allez, mets-moi ça. Là, j'aimerais bien savoir ce que je mets, en fait. Ça me perturbe. Si, peut-être que je pourrais remettre une salle de sécurité encore, parce que j'ai des caméras, vous voyez, qui sont un peu débordées. Donc, ça pourrait être une solution. Mets-moi du déploiement, là aussi. Ah, c'est important, quand même. Et on va faire également les patrouilles. Ah, je sais pas pourquoi, je l'ai fait juste avant de commencer la vidéo, là je l'ai fait pour juste à côté là. Ouais, parce que j'ai attendu un peu là, notamment à cause de l'épidémie. Ça y est, on a plus d'épidémie. Wouhou. Ah putain, c'est vraiment l'épidémie qui m'a fait douter quoi. Franchement, j'ai vraiment flippé. Mais bon, c'est résolu. On va pouvoir réouvrir ses admissions et accueillir plein de monde et augmenter notre capacité d'accueil. Donc voilà, je pense que là on a un bon petit complexe au niveau des cellules. Je pense qu'après on va essayer peut-être de s'étendre ailleurs. De refaire... Ouais, parce que là en fait ça me plaît, ça me plaisait le fait de faire toutes les cellules au même endroit. Mais là je vous avoue que j'ai envie de faire une prison quand même assez jolie et je trouve que ça gâche un petit peu la chose. Donc ce qu'on pourrait faire là c'est refaire par exemple une seconde cour par ici. Et refaire un bloc de cellules plutôt là. On va voir ça, tranquillement. Alors, ici, je pense qu'on va faire une salle de sécurité. La salle de sécurité, c'est vraiment important de la faire grande, en fait, parce que j'ai pas trop prévu pour l'autre. J'avais pas trop prévu. Et au final, voilà, je me rends compte que plus c'est grand, mieux c'est, parce qu'il faut quand même de nombreux... pour que toutes les caméras marchent en même temps, parce que là, vous voyez, beaucoup s'éteignent, en fait. Du coup, pour toutes les caméras marchent en même temps, il en faut plutôt beaucoup. Oh là là, j'ai un truc dans la gorge. Excusez-moi. Alors, sécurité. Et puis écoutez, les salles de sécurité, il n'y en a jamais trop. Voilà, on va pas se priver. Système de contrôle des portes. Ah oui, j'avais dit que j'aurais pu faire ça également. Mais bon. On n'est pas pressé. Voilà, quelque chose dans ce genre. Alors après, faut pas oublier de mettre quand même les classeurs et le bureau. Aïe aïe aïe, je trouve plus rien. Je ne trouve plus rien, s'il vous plaît, je peux avoir le bureau. Il est où le bureau? Putain, il est où le bureau? Là. D'accord, très bien. Alors, faut pas oublier aussi qu'il va falloir qu'on règle ce problème énergétique, là. Parce que c'est pas tout à fait réglé. J'aimerais bien... Ouais. J'aimerais bien, en tout cas, intégrer ça dans la prison, parce que c'est quand même pas terrible, là-haut. Il me faut une chaise, là, aussi. Il me faut une chaise. Voilà. Beaucoup mieux. Bon. Alors, ensuite, donc, du coup... dans les fils, là... Oh. Qu'est-ce qu'il me fait là? Est-ce qu'on peut pas... Attendez. Non. Et les plaques de pression aussi. Il y a vraiment trop de trucs. J'ai vraiment envie de m'y intéresser, mais ça doit être tellement long à faire, en fait, que ça m'impressionne un peu. Bref. Arranger les fils. Ça veut dire quoi, ça? What? J'aimerais bien comprendre. Oh merde. Là, vous voyez, par exemple, je fais une connerie. Ah non, en fait, pas tant que ça, parce que regardez. Regardez.
Du coup, on va tout refaire. C'est cool de tout refaire des fois. C'est cool de tout refaire parce que du coup, on va pouvoir réorganiser la chose de manière beaucoup plus optimisée, on va dire. Et on pourra s'y retrouver si jamais on a besoin. Voilà, je crois qu'on n'a plus rien. Ok, parfait. Alors, on va faire. Toi, tu vas t'occuper de ce qui est en bas. Voilà, un décès. Ça faisait longtemps. Et c'est tout là? Ouais. Ah, deux décès. Un troisième. Sinon c'est pas drôle. Parce que là déjà il voit tout là. Là il voit tout. Faut que je contrôle. Hein. Faut que je fasse gaffe à ce qu'il voit vraiment tout. D'accord, je crois que là c'est bon. Est-ce que si je rajoute... Faut que je vérifie. Hein. Oui, ils sont chauds là aujourd'hui là. Mince. Mais j'arrive pas. Est-ce que c'est bon là? Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Pourquoi il m'a fait ça là? Ok, à partir de là, vous voyez, il y a un problème. À partir de là, il y a un problème. Du coup, on va enlever ces fils. Putain, c'est vraiment la merde. C'est vraiment la merde à enlever. Hein. Ok. Du coup, ensuite, lui, on va le relier. Alors, vous voyez, lui, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il ne veut pas me les couvrir. Quel est ton problème, mon ami? Ouais, bon, vous savez quoi, je ferai ça hors caméra, parce que sinon, ça va durer une éternité. J'ai pas envie de vous faire chier avec ça. J'ai pas envie de vous faire chier avec ça. Bon, j'ai juste vu par contre les faire vite fait, mais si jamais il y a des trucs à modifier, je m'en occuperai. Ah, qu'est-ce qu'il me dit lui? Ils sont sérieux. Faut que je supprime les parloirs. Bon bah adieu parloir. Ah il y en a un autre ou pas? Ah si c'est bon. Bon bah j'aurais pu calozonner. Ça va. C'est pas grand chose. Voilà. Ok bah écoutez très très bien. Bon, je ferai les caméras, ça va, ça presse pas non plus, ils sont pas trop violents. Cette cour, ouais, commence à être relativement petite, je trouve, pour tout le monde. Donc, il va falloir vraiment qu'on l'agrandisse assez vite. Je pense. Ça va devenir urgent très vite. Hein. Très vite. Ok, bah écoutez, qu'est-ce qu'il fout là, lui? D'accord. En attendant... Est-ce qu'on peut pas se faire... Déjà... Pourquoi il passe par là? Qu'est-ce que tu fais là, mon gars?
très bien. Ok, bah c'est pas grave. Je vais devoir démolir ça par contre. Qu'est-ce qu'ils foutent là, les gars? Là, par contre, je pense que je vais mettre une porte parce que si les prisonniers commencent à y aller, ça craint un peu. Je comprends pas pourquoi ils passent par là. Bon, c'est pas grave, au pire. Ok. Ils m'ont viré, ça va. Ah oui, je vous ai pas dit, mais j'ai fait une fouille quand même entre-temps. Toi, dégage. Les mecs, ils en battent les couilles. C'est vraiment drôle de voir ça. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai bien envie de mettre une cour ici, moi. De mettre une cour, de mettre une cour, de mettre une cour, quelque chose. C'est où la cour là-dedans? Elle est où la cour? Et je trouve ça étrange d'ailleurs, notre salle du courrier, elle est où? Ils reçoivent pas de courrier, j'ai l'impression. Alors très très peu, mais... C'est très étrange. Alors. Ah oui, certains d'entre vous m'ont conseillé également une foresterie. Pourquoi pas? Ça pourrait faire gagner des sous et puis on pourrait faire des formations également pour que nos prisonniers puissent arriver à faire des lits également après. Ça pourrait être une excellente idée. Du coup, ce que je vous propose, c'est en fait de pourquoi pas faire une foresterie à un endroit. Il va falloir juste trouver cet endroit. Bah, à la limite, on pourrait la faire là, hein. On pourrait la faire là et ma cour je la décale un peu, ça dérange pas. Voilà. Un énorme truc pour vraiment faire gagner un max de thunes. On fait ça pour la thune, je vous rappelle. ok, quelque chose comme ça. Très bien. Et du coup cette cour, je ne sais toujours pas où la mettre. La cour, la cour, la cour, la cour, la cour. Où est-ce qu'elle est la cour? Putain, je suis un... Ah voilà, elle est là. Une cour comme ça. Ça fait un grand espace. Et c'est pas mal, je trouve. Du coup, ça m'achète de l'arbre, hein. On pourrait faire quelque chose comme ça. Alors après, bien sûr, je ne sais jamais comment m'y prendre. Je pense qu'on peut faire... Hop. On va casser un petit peu la chose, comme ceci. Ça semble être pas mal. Très bien. Super génial. Alors du coup, là, on va continuer la cour là. Hop, je vais juste rajouter ça. Et par contre, je sais plus jusqu'où elle va la cour là. C'est un peu galère. Ah. Ok, je crois qu'elle va jusque là. Très bien. Très très bien. Alors du coup, on va mettre par contre des petits matériaux pour s'y retrouver, parce que sinon on ne s'y retrouve pas. C'est vrai que ces matériaux, c'est quand même bien pratique. Hop, on va démolir ces murs. Ensuite, dalle de pierre. S'il te plaît, voilà, tu me fais le tour comme ceci. On aura dit que ça s'arrêtait jusque là, la cour. Je ne sais pas, je ne sais pas. Faut que je revérifie. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, la cour, je crois qu'elle s'arrête là. Et je crois que j'ai fait pile poil le bon truc. On va vérifier. Hop. J'ai fait pile poil le bon truc. Oh, c'est du génie. Mon dieu, l'auto-congratulation, ça y va. Hein. Bon, alors du coup, ici, on va mettre peut-être... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour une... Bon, on va mettre... Ou de la terre. Ouais, non. Pas de la terre. On va mettre du gazon.
Je mets du gazon ici et je vais faire la même chose pour la cour. La cour, on va mettre hop, hop ça. Voilà. On va voir ce que ça rend si je fais ça. Donc voilà. Nos petits ouvriers, ils bossent. Mais ça m'enlève les arbres du coup. Bon, au pire, ça me les replantera juste après, c'est pas grave. Mais ça bosse. Une bonne nouvelle déjà. Alors par contre, du coup, faut que j'en mette du gazon partout. Je sais pas pourquoi ils me détruisent des arbres. C'était pas trop prévu, mais bon. Voilà, un truc comme ça, c'est parfait ça. Alors, dans cette cour, on va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre dans cette cour? Moi, j'ai bien envie de mettre des tables de billard. Parce que le billard, c'est bien. Et on va mettre également des bancs de muscu. Pour les prisonniers qui souhaitent garder la forme. C'est important. Avec, bien entendu, des bancs. Parce que j'ai remarqué qu'ils aimaient bien les bancs. Ok, d'accord, ça marche. Vous battez pas, surtout. Là, ok. Et qu'est-ce qui pourrait manquer? Il manquerait des cabines. Mais les cabines, on s'en fout, ça. On les met par là, plutôt. Voilà. Et puis aussi ici. Voilà. J'aurais peut-être pas dû les mettre là pour le coup, mais bon, c'est pas grave. Parce que là, je pense qu'on va avoir quand même du matos après. C'est quoi ça? Page de carnet. Ok. Qu'est-ce qu'elle fout là? Je ne sais pas. C'est pas grave. Bah voilà, je crois qu'on est pas mal. Alors là, du coup, ils m'ont pas mis la dalle de pierre, là. Hop, je vais mettre une petite porte. Très important si jamais il y a du grabuge. Là, j'ai encore la planification, ici. Ok, bah très très bien. Tout se passe très bien. Je suis satisfait. Tout va bien. Tout va très bien. Bon, bah écoutez, nous on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, en tout cas. Voilà, moi en tout cas, je vous le dis, hein, comme à chaque fois, c'est vraiment un plaisir de faire tout ça avec vous. J'adore ce jeu et voilà, bah, le partager avec vous, c'est encore mieux. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à poster des commentaires, bien sûr, en me disant la merde, qu'est-ce que j'ai fait comme merde, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce que vous aimeriez voir, tout simplement. Voilà, ça me fait plaisir. Et il y a encore du risque. C'est un peu chiant, mais bon. Bon, bref. En attendant, on va résoudre tout ça les prochaines fois. Je vais m'occuper des caméras. Et bah vous, n'hésitez pas à poster votre commentaire. Faites votre taf aussi. Allez, bordel. Je vous dis à la prochaine. Merci à tous. Ciao, bye. À plus tout le monde.